3 et 4 ans, avant de partir en Angleterre, où ils viennent gagner. Et donc voilà, c'était Talon, fils de Danzig, aux origines américaines, telle la Francesca, un Danzig a découvert par Affer, Affer qui est le dernier vainqueur en table de la triple couronne américaine, c'était en 1968, je crois, il battait Atlas. Voilà, le bat à Affer, c'est très difficile à trouver, de même qu'un descendant direct de Danzig, grand étalon américain, que ce Danzig, enfin américain, mais. On peut dire mondial, parce que dans l'ancien pays, fils de l'ancien professeur, a donné une production absolument exceptionnelle des deux côtés de l'Atlantique et peut-être même encore plus en Europe qu'aux États-Unis, le père de cette la française, qui est un authentique chef de race, une grande authentique qui a très peu d'étalons, soit en fils direct de l'Atlantique, soit d'étalons en Europe. En voici un de la française, et non pour deux. Il a réussi à faire une course, son entraînement de l'école royale, et ça lui présente un physique très avantageux, comme vous pouvez le constater. Et donc, on a une calotte confirmée sous des registres multiples, que ce soit sur le plat ou sur les deux plats.